الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc après une interruption, nous reprenons les cours sur l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous commençons aujourd'hui le livre de la Zakat. Le livre de la Zakat, que l'on peut traduire par le livre de l'aumône. Quelle est la définition du terme az-zakat en arabe? Le terme az-zakat en arabe signifie la croissance et l'augmentation. En arabe, az-zakat signifie la croissance et l'augmentation ou l'accroissement. Il est dit en arabe, zaka az-zar'u idha nama wa zad. On dit que la végétation accroît. La végétation accroît et augmente. En arabe, on dit zaka az-zar'u. Donc ça, c'est la signification littéraire en arabe. Et quant à l'explication juridique, quelle est la définition de zakat en islam? هو التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. Donc en islam, la zakat, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en donnant une partie, en donnant de façon obligatoire une part d'argent ou de biens qui doit être donnée à des personnes bien précises. Donc, en islam, az-zakat, c'est de prendre une partie d'argent ou de biens définie par la religion, et ceci de façon obligatoire, et qui doit être donnée à des gens bien précis, et ceci aussi de façon obligatoire. C'est-à-dire que tu ne prends pas n'importe quel argent, mais l'argent que l'islam a défini. Tu ne prends pas n'importe quelle quantité, mais la quantité que l'islam a définie. Et tu ne donnes pas cette aumône à n'importe qui, mais tu la donnes aux personnes que l'islam a définies. Et az-zakat est aussi appelé sadaqah. Ce sont deux synonymes, ce sont deux termes qui veulent dire la même chose. Az-zakat et as-sadaqah veulent dire la même chose, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prends de leur argent une sadaqa qui les purifiera. Prends de leur argent, c'est-à-dire prends des musulmans l'argent de la zakat. Et la sadaqa est appelée sadaqa car c'est une preuve de la foi de la personne et de sa véracité, ou du fait qu'il est véridique. Une personne qui est sadiqa ou siddiqa, une personne qui est véridique, le fait de donner de l'aumône montre que cette personne est véridique et que son islam est bien ancré. Donc l'auteur dit manzilatuha fid din. Quel est le statut de la zakat, de l'aumône dans la religion? الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. La zakat, c'est un des piliers de l'islam et une obligation parmi les obligations de l'islam. Et c'est le troisième pilier de l'islam. La zakat, c'est le troisième pilier de l'islam, le premier étant l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, le second qui est la prière et le troisième qui est de s'acquitter de la zakat. Quelle est la preuve? Ali ibn Umar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Umar rapporté dans le Bukhari et Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est basé sur 5, l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah et que Muhammad et son envoyé, de faire la prière, de s'acquitter de la zakat, de l'aumône, de faire le pèlerinage à la Mecque et de jeûner le mois du Ramadan. وَقَدْ قُرِنَتْ بِالصَّلَاةِ فِي اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ آيَةً. Et l'auteur dit, et la zakat a été citée avec la prière dans le Coran, dans plutôt 82 fois. 82 fois dans le Coran, la zakat a été citée avec la prière, les deux ensemble. الترغيب في أدائها. La recommandation de s'acquitter de la zakat. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Ce qui nous montre, ou parmi les preuves dans le Coran et dans la Sunna, qui nous pousse et qui nous encourage à donner la zakat, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala prend de leur argent une aumône qui les purifiera et qui leur permettra de se purifier également, de purifier leur âme, leur corps et leur argent. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Un autre verset où Allah Azza wa Jal nous encourage de donner la zakat, et la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit selon le sens et ce que vous donnez, c'est-à-dire comme aumône, en attendant ou en espérant que les gens vous en donnent plus, فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ, il n'augmentera pas chez Allah. C'est-à-dire que si tu donnes la zakat à des personnes et ton intention est que ces personnes te rendront un jour ou l'autre cet argent ou plus, eh bien sache que cette aumône n'est pas acceptée chez Allah et Allah ne la prend pas en considération. وَمَا أَتَيْتُمْ, puis Allah Azza wa Jal dit وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, et ce que vous donnez comme zakat en espérant la face d'Allah, c'est-à-dire en ne voulant que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et non pas que les gens vous rendent cet argent ou plus, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, ce sont eux pour qui Allah Azza wa Jal augmentera la récompense et multipliera les récompenses ou la récompense de cette zakat. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حديث متفق عليه. Et un autre hadith, ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous encourage à nous acquitter de la zakat, et le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date, l'équivalent qui provient d'un argent licite, وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبٍ. Et le prophète a dit, et Allah n'accepte que le bon. Parmi les conditions pour qu'une aumône soit acceptée, il faut que l'argent soit issu de soit plutôt été que la personne l'ait eu de façon licite. Un argent illicite qui est donné en aumône, Allah Azza wa Jal ne l'accepte pas. Comme le professeur Hassan a dit dans un autre hadith, Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala est bon et n'accepte que le bon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date provenant d'un argent bon, c'est-à-dire licite, et Allah n'accepte que le bon, فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. Allah Azza wa Jal l'acceptera par sa main droite. Il y a dans cela une preuve que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il a une main droite. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant d'Allah Azza wa Jal, وَكِلْتَ يَدَيْهِ yamin. Et ses deux mains sont droites. Et vous connaissez tous la règle dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est que nous devons attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué lui-même ou ce que lui a attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. Et de prendre les attributs comme ils ont été cités dans le Coran et dans la sunna. De ne pas les interpréter et de ne pas faire ressembler ces attributs, les attributs d'Allah Azza wa Jal, à ceux de ses créatures. Rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Rien ne lui ressemble, mais Allah Azza wa Jal entend tout et voit tout. Il entend tout, mais n'entend pas comme ses créatures. Il voit tout, mais ne voit pas comme ses créatures. Il est même interdit en islam de demander comment. Comment est-ce qu'Allah entend? Comment est-ce qu'Allah voit? Cela est interdit. Comment est la main d'Allah? Cela est interdit. Car, quelle que soit la chose que tu pourras t'imaginer dans ton esprit réduit, dans ton corps d'être humain qui est faible, quelle que soit la chose que tu pourras imaginer, ce ne sera pas Allah. Car Allah Azza wa Jal dit, Laysa kamithlihi shay. Rien. Rien de ce que vous connaissez, rien de ce que vous pouvez vous imaginer ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc inutile de demander le comment, car vous n'aurez jamais la réponse de ce comment, sauf lorsque vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux à qui Allah Azza wa Jal accordera cette grâce. Puis le professeur Hassan a dit, فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala acceptera cette aumône, même si elle est minime, même si l'aumône que tu donnes est l'équivalent du prix d'une date. Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptera de sa main droite, ثُمَّ يُرَبِّيهَا. Puis la fera accroître, l'augmentera. كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَهُ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'augmentera et l'élèvera comme l'un d'entre vous élève un poulain jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Hatta yakuna mithlul jabal. Et le professeur Sam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala augmentera cette sadaqa, cette aumône, et elle ne cessera d'augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'une montagne. Tu auras donné l'équivalent du prix d'une date qui se compte en centimes, tu l'auras donné pour Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sa récompense et son agrément, et bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptera de toi, mais il ne l'acceptera pas seulement, mais il la fera augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'une montagne. Donc ceci doit pousser le musulman à donner l'aumône. Et dans la zakat, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de sagesse. Parmi les bienfaits de l'aumône, c'est qu'elle permet aux musulmans de compléter sa foi et sa religion. Elle permet aux musulmans de compléter sa foi et sa religion, car la zakat, l'aumône, est un des piliers de l'islam. Et plus tu accomplis de piliers, et plus ta religion se renforce et se complète. De donner la zakat est aussi une preuve de ta sincérité, car l'argent est quelque chose qui est aimé chez les gens. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et vous aimez l'argent. Puis Allah azza wa jalla a dit, حُبًّا جَمًّا. Vous ne l'aimez pas seulement l'argent, mais vous l'aimez de façon excessive. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et celui qui donne en aumône de son argent, cela prouve sa sincérité, car il a sorti et il a donné une chose qui est chère à sa personne. De même que de donner la zakat permet de purifier ton comportement et te fait sortir du cercle des pauvres vers le cercle des généreux. Lorsque tu donnes, tu rentres dans le cercle des généreux, ceux qui sont aimés chez Allah Azza wa Jal. De même que de donner zakat apaise le cœur de la personne. Et Ali ibn al-Qayyim rahimahullah, qui a écrit beaucoup de livres qui permettent, ou dans lesquels il donne beaucoup de remèdes pour les maladies du cœur, rahimahullah ta'ala, il était connu pour cela. Parmi les remèdes qu'il a donnés pour remédier aux maladies des cœurs, c'est de donner la zakat. Car quand tu donnes l'aumône, cela apaise ton cœur. Et de donner l'aumône permet aussi à la communauté musulmane d'être comme une seule famille. Et de donner des bienfaits aux membres de ta famille. De même que de donner zakat apaise la colère des pauvres, car certains pauvres ont de la rancune, ont presque de la haine envers les pauvres, envers les riches. Et le fait qu'un riche donne de l'argent à un pauvre, cela rafraîchit sa haine, apaise la haine de ce pauvre et lui permet d'avoir une bonne vision sur les riches. De même que de donner zakat permet à la société musulmane permet à la société musulmane, ou préserve la société musulmane de plusieurs délits. Elle préserve la société musulmane du vol, par exemple. Car si tu donnes la zakat aux pauvres, ils ne penseront jamais à voler. Alors que si la zakat ne leur parvient pas, et qu'ils restent dans leur état, sans évoluer, sans voir des gestes de générosité d'autrui, ils vont être amenés à faire des délits, comme voler ou autre. De même que de donner zakat permet aux musulmans de se préserver de la chaleur du jour du jugement. Comme le professeur a dit dans le hadith authentique, lorsqu'il a cité les 7 qui seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah. Et parmi ces 7, le professeur a dit, وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ, celui qui donne en aumône une aumône, فَأَخْفَاهَا, et la cache, حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَاذَا أَنْفَقَتْ شِمَالُهُ. La cache donne cette aumône sans que sa main droite ne sache, sans que sa main gauche, ne sache ce que sa main droite a donné. Cette personne-là fera partie de ceux qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah, le jour où le soleil descendra et s'approchera, et la distance qui séparera le soleil de la tête des gens sera d'amaïs ou d'amaï, et les gens sueront, la sueur coulera de leur corps et la sueur les recouvrera recouvrera chaque personne en fonction de ses bonnes actions. Celui qui aura fait beaucoup de péchés, il sera même englouti par sa sueur, wal-iyadhu billah. Certains auront la sueur aux pieds, d'autres aux cuisses, d'autres aux épaules, et d'autres seront recouverts par leur sueur, wal-iyadhu billah. Et de même que de donner la zakat permet à la personne d'évoluer, mais également à son argent d'accroître. Ce n'est pas parce que tu donnes de ton argent, une partie de ton argent, que ton argent baisse. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que ton argent augmente au fur et à mesure. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, « La yanqusu malun min sadaqah ». L'argent ne diminue jamais à cause d'une sadaqa. Tu dois donner, si tu as de l'argent qui a atteint le seuil minimum, tu dois donner 2,5% de cette somme. En aucun cas, les 2,5% de cette somme que tu as donnée seront une diminution pour ton argent. Au contraire, tu verras, si tu donnes ta zakat avec sincérité pour Allah Azza wa Jal, tu verras que ton argent, au contraire, augmentera. Et l'année suivante, tu auras encore plus d'argent à ton actif. Après avoir montré les bienfaits de la zakat et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les versets d'Allah Azza wa Jal qui nous poussent à la donner, l'auteur parle maintenant et dit At-tahdhiru miman iha, la mise en garde contre celui qui s'abstient de donner cette zakat. قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, et que ne croient pas ceux qui sont avares dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset Bima atahumullahu min fadlih. Ceux qui sont avares et ne donnent pas les bienfaits d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit les bienfaits de ces personnes, mais a dit les bienfaits d'Allah. Car tout ce que tu appartiens, tout ce que tu as, ce n'est pas à toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait d'Allah sur toi. Tu ne l'as pas eu de ton propre chef. Non. Tu l'as eu car Allah subhanahu wa ta'ala a voulu te l'accorder. Donc ceux qui sont avares et ne donnent pas des bienfaits d'Allah qui leur a accordés, qui ne croient pas que cela est bien pour eux. Que ceux qui sont avares et ne donnent pas des bienfaits d'Allah, qui ne croient pas que, que cela est bien pour eux. Bal huwa sharrun lahum. Au contraire, c'est un mal pour eux. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Ceux qui n'auront pas donné par avarice sera attaché à leur cou le jour du jugement. Wal-'iyadhu billah. Walillahi mirathu as-samawati wal-ard. Et à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et Allah est tout connaisseur de ce que vous faites. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en garde et qui nous montre le châtiment de ceux qui ne donnent pas la zakat. Selon Abu Huraira, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: celui à qui Allah azza wa jal a donné de l'argent et ne donne pas sa zakat, ne donne pas l'aumône qu'il doit donner de cet argent, مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا, il lui sera apporté le jour du jugement شجاعا أقرعا. Al-Shuja' en arabe, c'est un immense serpent. Wal-iyadhu billah. Aqra', c'est-à-dire un serpent qui n'a pas de poils, un serpent qui a la tête lisse. Et les serpents qui ont la tête lisse, ce sont les plus venimeux, ceux dont le venin est si fort que des poils ne peuvent pas pousser sur leur tête. Shuja'an aqra', il lui sera apporté le jour du jugement un énorme serpent à la tête lisse, c'est-à-dire au venin très puissant, lahu zabibatan, qui aura deux taches noires au-dessus de ses yeux, yutawwiquhu yawm al-qiyamah, qui sera sur son cou le jour du jugement et le pressera, le serra, wa la'yadu billah. Thumma ya'khudhu bilihzimatayh, puis ce serpent prendra la personne par ses joues. Thumma yaqul, puis il dira: ana kanzuk, je suis ton trésor, ana maluk, je suis ton argent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset: wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum. Que ne croient pas ceux qui sont avares dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, qu'ils ne croient pas que cela est meilleur et bien pour eux. Bien au contraire, cela est mauvais pour eux. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité ce châtiment, wal-'iyadhu billah, a cité ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Un autre verset qui montre le châtiment de ceux qui s'abstiennent de donner la zakat, et la parole d'Allah azza wa jal selon le sens: et ceux qui gardent l'or et l'argent et ne le donnent pas dans le sentier d'Allah, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, annonce-leur alors un douloureux châtiment. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ, le jour où cet or et cet argent seront chauffés par le feu de l'enfer, فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ, puis que leurs fronts et leurs flancs seront brûlés par cet or et cet argent chauffés par le feu de l'enfer, ainsi que leur dos, et il leur sera dit: هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ, ceci est ce que vous avez gardé pour vous, فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ, goûtez à ce que vous avez gardé. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أو كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعده بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Un second hadith qui nous montre la gravité de ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne possédant de l'or ou de l'argent sans en donner les droits, c'est-à-dire sans donner les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cet argent. Et les droits se divisent en deux. Il y a des droits qui doivent être donnés obligatoirement et il y a des droits qui doivent être donnés de façon préférable. Quels sont les droits qui doivent être donnés de façon obligatoire? Le premier de ces droits, c'est al-zakat. Mais il y a d'autres droits qui sont aussi obligatoires, comme de subvenir aux besoins de ta famille. Cela est obligatoire. Ou encore zakat al fitr, ça rentre dans la zakat. Sachant que le zakat al fitr se donne qu'en nourriture, pas en argent. Et il y a aussi de rembourser les dettes. Le remboursement des dettes est une chose obligatoire pour celui qui en a la possibilité. De même que de subvenir aux besoins de ton invité. Cela aussi est obligatoire. Et il y a les droits qui ne sont pas obligatoires, comme le fait de prêter par exemple de l'argent. Le fait de prêter de l'argent est une chose recommandée, une chose préférable. Quelle est la récompense de celui qui prête de l'argent? Non? Allah lui aura compté la moitié en sadaqah. Ahsant. Allah subhanahu wa ta'ala lui comptera comme récompense comme s'il avait donné en aumône la moitié de cet argent. Si tu prêtes à ton frère musulman qui est dans le besoin, si tu lui prêtes 1000 euros, eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comptabilisera ce prêt en te donnant la récompense d'une aumône de 500 euros. Non. Et le droit qui est cité dans ce hadith, est-ce que c'est le droit obligatoire ou le droit préférable? C'est le droit obligatoire. Donc, toute personne ayant en sa possession de l'or ou de l'argent et n'en donne pas le droit, c'est-à-dire le droit obligatoire, et le premier de ces droits obligatoires qui est az-zakat, illa kana yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Cet argent qu'il n'aura pas donné sera sous forme de plaques qui seront chauffées. Ce seront des plaques de feu. Suffihat lahu safa'ihu min nar, fa'uhmi 'alayha fi nar jahannam. Ce sont donc des plaques de feu qui seront chauffées par le feu de l'enfer. Et avec ces plaques de feu chauffées par le feu de l'enfer, elles seront appliquées sur le front de la personne, sur son dos et sur ses flancs. Les savants donnent des explications quant à ceux dont les plaques seront posées sur leur front. Ce seront ceux qui auront refusé de donner la zakat aux pauvres et d'avoir refusé en faisant face à ce pauvre. Celui-là, il sera brûlé sur son front. Wajanbo, et ceux qui seront brûlés sur leur flanc, ce seront ceux qui auront donné le flanc aux pauvres lorsqu'ils leur demanderont la zakat. Lorsqu'un pauvre te demande la zakat et que tu lui tournes et que tu lui montres tes flancs, tu te retournes en lui montrant tes côtés, et bien ces côtés que tu auras montrés à ce pauvre seront brûlés yawm al-qiyamah par ces plaques de feu chauffées par le feu de l'enfer. Et ceux dont le dos sera brûlé, ce seront ceux qui auront tourné le dos aux pauvres, wal iyadhu billah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: kullama baradat u'idat lah. À chaque fois que ces plaques seront ou refroidiront, elles seront réchauffées une nouvelle fois dans le feu de l'enfer. Wal iyadhu billah. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Combien de temps ce châtiment durera? Est-ce qu'il durera 1 heure, 2 heures, 1 jour, 1 mois, 1 an, 100 ans, 1000 ans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans un jour, dont la durée est de 50 000 ans, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge et ordonne le début du jugement dernier. Et le jour où la personne verra sa destinée soit au paradis, soit en enfer. Puis il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, et les chamelles, qu'en est-il des chameaux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne possédant un chameau sans en donner les droits, et parmi ces droits, c'est d'autoriser de prendre de son lait le jour où elle est abreuvée. C'est-à-dire que lorsque la chamelle boit de l'eau et qu'elle retourne pour se reposer, à l'époque, les pauvres profitaient de ce moment où la chamelle se reposait et venait de s'abreuver pour extraire d'elle le lait. Et parmi les droits, et ça c'est un droit préférable et non obligatoire, parmi les droits de la chamelle, lorsque tu as un chameau, il t'est recommandé, lorsque le jour où ce chameau boit et se rassasie, de laisser les pauvres qui en ont la nécessité prendre de son lait. Illa idha kana yawm al-qiyamati butiha laha biqa'in qarqar. Celui qui ne donne pas la zakat concernant la chamelle, et on verra Inch'Allah quelle est la zakat concernant les chameaux, et on verra que il est obligatoire pour celui qui est en possession des chameaux de donner la zakat lorsque ces chameaux ou les chameaux qu'il a en sa possession sont au nombre de 5. Le minimum est de 5. Celui qui a 4 chamelles ou 4 chameaux, il n'est pas obligatoire pour lui de donner la zakat. Mais lorsque le nombre atteint 5, c'est là où la zakat commence à devenir obligatoire, et plus le nombre de chamelles augmente, et plus la zakat augmente. Et le minimum pour celui qui possède 5 chamelles, c'est de donner en zakat une brebis ou un mouton. Donc celui qui n'aura pas donné cette zakat, le jour du jugement, les chamelles qu'il aura en sa possession seront amenées dans un endroit plat, un endroit vaste et plat, où il n'y aura aucun endroit possible pour s'enfuir, à l'endroit où il n'y aura pas de côte, ni de rocher, ni quoi que ce soit. Le professeur Hassan a dit, ces chamelles qu'il n'aura pas donné, ou toutes les chamelles qu'il aura en sa possession d'où il n'a pas donné le droit, seront amenées dans un endroit vaste et plat. Et ces chamelles seront en très bonne santé. Ces chameaux seront bien portants et seront forts, auront une force plus grande que celle qu'ils avaient sur cette vie d'ici-bas. Et le professeur Hassan a dit, il ne manquera du nombre de chameaux et de chamelles qu'il avait, il ne manquera pas ne serait-ce qu'un chamelet. Un petit chameau qu'il avait, un chamelet, ne manquera pas. C'est-à-dire, celui qui aura 50 chamelles ou 50 chameaux, avec compris dedans des chamelets, dont il n'aura pas donné la zakat, eh bien, tout ce troupeau sera amené le jour du jugement dans un endroit plat et vaste. Il ne manquera rien du tout. Et ce troupeau piétinera cet homme, wal-iyadhu billah, wa ta'udduhu bi afwahiha, et le mordra avec ses dents. Kullama marra alayhi ulaha rudda alayhi ukhraha. Et lorsque le dernier des chameaux sera passé sur lui et l'aura mordu, eh bien, la première chamelle reviendra à nouveau. Et ainsi de suite. Dans un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc celui qui aura 100 chamelles, dont il n'aura pas donné la zakat, ces 100 chamelles seront bien portantes et auront une force plus grande que celle d'ici-bas et piétineront. Chacune de ces chamelles piétinera celui qui les avait en leur possession et mordront également cette personne. Et lorsque la dernière de ces chamelles le piétinera et le mordra, ce sera la première qui reviendra, et ainsi de suite, dans un jour dont la durée est de 50 000 ans, jusqu'à ce que le jugement soit fait entre les serviteurs et que chacun voit sa destinée soit au paradis ou soit en enfer. Hadith authentique rapporté par Muslim et Abu Dawood. Puis l'auteur parle du jugement de celui qui s'en abstient. Quel est le jugement après avoir vu le châtiment et la gravité de celui qui s'abstient de donner la zakat? Quel est son jugement? حكم مانعها الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام. Auteur dit, la zakat fait partie des obligations qui font l'unanimité de la communauté musulmane. Et la zakat est connue de tout le monde. Tout le monde la connaît au point que cette zakat est considérée comme faisant partie des choses essentielles de la religion. Et si une personne renie l'obligation de celle-ci, celui qui renie l'obligation de la zakat et qui dit que la zakat ce n'est pas obligatoire et que ce ne sont que des futilités, ou que celui qui veut la donner qui la donne, celui qui ne veut pas la donner qui ne la donne pas, l'auteur dit celui qui renie l'obligation de la zakat sort de l'islam, wal-iyadu billah, wa qutila kufran إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر بجهله الأحكام. Sauf pour celui qui a embrassé l'islam, de façon récemment, ne connaissant pas le jugement de la zakat. Ces personnes sont excusées. Une personne qui vient de se convertir à l'islam, qui ne connaît pas les jugements de la religion, et qui a amené à dire de son propre gré que la zakat ce n'est pas obligatoire, c'est surrogatoire car il ne savait pas, il est bien sûr excusé pour son ignorance dans ce jugement. Mais quant à celui qui a grandi dans l'islam et qui connaît le jugement et a entendu les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jugement de la zakat et malgré cela renie l'obligation, celui-là sort de l'islam, wal-iyadu billah. Amma man imtana'a an adaiha ma'a i'tiqadihi wujubaha fa innahu ya'thamu bimtina'ihi duna an yukhrijahu dhalika an l'islam. Quant à celui qui s'abstient de la donner tout en attestant de son obligation, fa innahu ya'thamu bimtina'ihi, il a alors fait un grave péché en s'abstenant de la donner sans que cela ne le fasse sortir de l'islam. Donc celui qui sort de l'islam, c'est celui qui renie l'obligation. Celui qui s'abstient de donner la zakat tout en attestant et en affirmant que la zakat est une obligation, sans aucun doute, celui-là a fait un grave péché. Mais ce péché ne le fait pas sortir de l'islam. Et il est du devoir du gouverneur de prendre la zakat de cet homme, même contre son gré. De la prendre, même contre son gré. Il doit prendre la moitié de son argent comme punition et comme amende. Les hadiths Bahz ibn Hakim, an abihi, an jaddih, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربع ابنة لهون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء حديث حسن رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. Quelle est la preuve que le gouverneur musulman doit prendre la zakat de celui qui s'abstient de la donner, même contre son gré, et de prendre en plus la moitié de son argent comme punition et comme amende? La preuve est le hadith de Bahz ibn Hakim, selon son père, selon son grand-père, qui dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Pour chaque chameau, fi kulli ibilin sa'imah » pour chaque chamelle qui se nourrit, sa'imah, ce sont les chamelles ou les chameaux qui se nourrissent du pâturage. Mais un pâturage dont l'herbe pousse par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les chameaux, parmi les conditions, on le verra, dont on doit sortir la zakat, ce sont les chameaux qui ne sont pas utilisés pour des tâches domestiques, mais qui restent dans leur pâturage et se nourrissent d'un pâturage dont l'herbe pousse par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, si toi, tu récoltes du foin par exemple, et que tu le coupes, puis que tu l'apportes à ton chameau, est-ce qu'il est considéré comme sa'im? Non, car ce chameau aura été nourri par une nourriture que tu lui auras apportée, une nourriture que tu auras préparée et que tu lui auras apportée. Ce chameau, il n'y aura pas de zakat à sortir. Le professeur Hassan a dit fi kulli ibilin sa'ima, dans chaque ou pour chaque chameau qui se nourrit dans un pâturage. Fi kulli arba'ina ibnatu labun, pour chaque 40, c'est-à-dire lorsque tu as 40 chameaux, tu dois donner en zakat ibnatu laboun. Si on traduit ibnatu laboun, c'est la petite de celle qui allait. Et la petite de celle qui allait, ce sont les chameaux qui ont 2 ans. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les petits de ceux qui allaitent? Car leur mère, en général, lorsque les chamelets ont 2 ans, leur mère ont déjà eu un autre petit, et ce petit est en train d'allaiter. Pour cela qu'il est appelé le petit de celle qui allait. Autrement dit, le chameau qui a 2 ans. D'accord? Donc lorsque tu as 40 chameaux, tu dois donner en zakat un chameau qui est âgé de 2 ans. Et lorsque tu en as 25, on le verra après, tu dois donner Ibnatu Makhad, un petit de celle qui est enceinte, de la chamelle qui est enceinte. Autrement dit, un chameau qui a 1 an. Car en général, les chameaux qui ont 1 an, leur mère porte un autre petit. D'accord? Donc lorsque tu en as 25, tu sors, tu dois donner comme zakat un chameau âgé d'1 an, et lorsque tu en as 40, tu dois donner un chameau âgé de 2 ans. La yufarraqu ibilin an hisabiha. Puis le professeur Hassan a dit, et les chameaux ne doivent pas être séparés dans leur compte. C'est-à-dire que lorsque 2 personnes ont chacune 20 chameaux, mais que ces chameaux se mélangent et mangent du même pâturage et restent tout le temps ensemble, est-ce que cette personne qui a 20 chameaux doit sortir la zakat ou pas? Oui, on le verra après, Inch'Allah. Donc là, je vous explique de façon brève, parce que le but du hadith, ce n'est pas ça. Mais lorsque deux personnes ont 20 chameaux ou 20 chamelles chacun, qui mangent du même pâturage, qui sont gardés de la même façon, eh bien, ils doivent donner la zakat sur l'ensemble. Car ces 2 fois 20 chameaux, en islam, sont considérés comme étant mélangés. Et donc, lorsqu'ils atteignent 40, les deux propriétaires de ces 2 fois 20 chameaux doivent donner en zakat, doivent se diviser l'équivalent, ou doivent donner un chameau âgé de 2 ans. Puis le professeur Sam a dit, celui qui la donne, c'est-à-dire celui qui donne ce chameau de 2 ans comme zakat, en espérant la récompense, il en aura alors la récompense. Et celui qui ne la donne pas, alors nous la prendrons. Le professeur Hassan a dit, alors nous la prendrons, c'est-à-dire nous la prendrons, que cette personne le veuille ou non. وَشَطْرَ مَالِهِ, ainsi que la moitié de son argent. عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et ceci, car c'est un droit et une obligation, parmi les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٍ. Et ce qui sera pris sera interdit pour la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et sa famille, n'avaient pas le droit de prendre l'argent de la zakat. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui donnait quelque chose, il demandait, est-ce que c'est une zakat ou non? Si c'est une zakat, il ne la prenait pas. Et si c'était un don, un cadeau de la personne, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prenait. Puis l'auteur dit, وَلَوْ اِمْتَنَعَ قَوْمٌ عَنْ أَدَائِهَا مَعَ اعْتِقَادِهِمْ وُجُوبَهَا وَكَانَتْ لَهُمْ قُوَّةٌ وَمَنْعَهُ فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطُوهَا. Puis l'auteur dit, et ceux qui s'abstiennent de donner la zakat, tout en considérant l'obligation de celle-ci, et que ces personnes ont une force et ont une capacité pour se défendre, alors ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils la donnent. لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. La preuve est le hadith du prophète qui dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad et son envoyé, qu'ils s'acquittent ou qu'ils fassent la prière, qu'ils s'acquittent de la zakat. Lorsqu'ils auront fait cela, ils seront alors, plutôt leur sang et leur argent seront sacrés, sauf dans les droits de l'islam, sauf ce que l'islam te permet de prendre comme argent ou comme sang lorsque la loi du talion est appliquée, par exemple. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, s'ils attestent qu'il y a de vraies divinités qu'Allah et que Muhammad et son envoyé, qu'ils font la prière, s'acquittent de la zakat, alors nous devons prendre en considération ce qu'ils nous montrent. Et ce qu'ils cachent, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala est leur seul juge. Ceux qui cachent, par exemple, une mécréance, ou ceux qui cachent des péchés, alors Allah subhanahu wa ta'ala est leur seul juge. Car en islam, on on ne prend en considération que ce qui apparaît, et ce qui est intérieur et propre à la personne n'avons aucun moyen de vérifier. Et donc c'est pour cela que le professeur Hassan a dit wa hisabuhum ala Allah, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les jugera dans cela, car c'est lui qui connaît le visible comme l'invisible subhanahu wa ta'ala. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن أبي هريرة قال لما توفي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله قال والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. حديث رواه البخاري ومسلم. Notre hadith qui montre qu'il est autorisé aux gouverneurs musulmans de combattre ceux qui s'abstiennent de la zakat tout en attestant de son obligation et ayant les moyens de se défendre pour ne pas la donner. Un autre hadith, c'est le hadith d'Abu Huraira qui dit lorsque le prophète est décédé et qu'Abu Bakr a repris les rênes et que on mécrut ceux qui ont mécru parmi les Arabes, Omar ibn Khattab a dit à Abu Bakr pourquoi combattu les gens, et alors que le prophète sallam a dit j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et celui qui l'a dit, alors son argent et sa personne sont sacrés illa bihaqqi, sauf dans les droits de l'islam, wa hisabuhum ala Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala est leur seul juge dans ce qu'il cache. Faqal, c'est-à-dire Abu Bakr a dit par Allah je combattrai ceux qui séparent la prière de la zakat, car la zakat est le droit sur l'argent. Puis Abu Bakr a dit et je jure par Allah que s'ils s'abstiennent de donner inaqan, c'est-à-dire une corde par laquelle ou avec laquelle on attache les animaux, s'ils s'abstiennent ou ils refusent de me donner une corde qu'ils avaient l'habitude de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai pour cela. Puis Omar a dit je jure par Allah que le simple fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait apaisé le cœur d'Abu Bakr dans cela, j'ai su que c'était la vérité. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et bien sûr, le fait de combattre cela est propre au pays musulman et doit être supervisé par le gouverneur musulman. C'est lui qui doit juger cela bon, et celui qui doit l'ordonner si cela est nécessaire. Et en aucun cas, les musulmans doivent faire cela de leur propre initiative, car en islam, toutes les choses sont ordonnées, toutes les choses sont supervisées. Et si chaque musulman devait combattre l'autre parce qu'il n'avait pas donné la zakat, il y aurait sur terre la turpitude, wa l'ayadu billah. Ala man tajib. Envers qui la zakat est obligatoire. Tajibu ala kulli muslimin hurrin malikin lil nisab idha hala al hawlu ala ma yamliku min al mal siwa zara fa innahu tajibu az-zakata fihi yawma hasadihi idha balagha an nisab qala ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi. Donc envers qui la zakat est obligatoire. La zakat est obligatoire pour tout musulman. Sort de cela les non-musulmans. Donc les non-musulmans, il ne leur est pas obligatoire de donner la zakat. Mais on avait vu cela lors du jeûne du Ramadan, le fait que cela ne leur est pas obligatoire, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de bonnes œuvres avec la mécréance. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte une bonne œuvre, il faut que la personne soit musulmane. D'accord? Mais, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les châtiera pour ne pas l'avoir donné. Donc, elle est obligatoire pour tout musulman libre. Autrement dit, elle n'est pas obligatoire pour ceux qui sont pour les esclaves. Malikin lin Nissab. Et pour ceux qui ont en leur possession un Nissab. Et un Nissab, en islam, c'est l'argent minimum ou les biens minimums que tu possèdes et par laquelle la zakat te devient obligatoire. Autrement dit, c'est le seuil minimum. C'est le seuil minimum de ce que tu possèdes par lequel, lorsque tu atteins ce seuil ou que tu le dépasses, la zakat devient pour toi obligatoire. Que ce soit de l'argent, que ce soit de l'or, de l'argent, c'est-à-dire de la monnaie, ou bien de l'argent, le métal, que ce soit des bêtes et animaux, que ce soit des chameaux, des vaches, des bœufs, des moutons, des brebis, des chèvres. Il y a un nisab, il y a un seuil pour chacun de ces biens. De même pour les récoltes, pour les grains et les fruits. Pour les grains et les fruits, il y a aussi un seuil minimum. Lorsque tu atteins ce seuil, ou bien que tu le dépasses, la zakat devient obligatoire pour toi. Donc, il faut être musulman, il faut être libre, non esclave, il faut avoir en sa possession le seuil minimum. إذا حال الحول على ما يملك من المال. Et il y a une troisième condition, lorsque ce que tu possèdes comme seuil minimum, tu l'as eu en ta possession pendant un an. Lorsque c'est de l'argent, ou bien lorsque ce sont des chameaux, des vaches ou des moutons, lorsque ce sont des animaux. Siwa zara, sauf les récoltes, فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده. Sauf ce que tu sèmes, tu dois donner la zakat le jour de la récolte. إذا بلغ النصاب, lorsque bien sûr ce que tu as récolté a atteint le seuil minimum. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih, et donner son droit, c'est-à-dire le droit de ce que vous avez récolté le jour de la moisson, le jour où vous récoltez ces grains ou ces fruits. Et on verra, Inch'Allah, le seuil minimum de chacun de ces biens. ثم يقول المؤلف الأموال التي تجب فيها الزكاة. Quels sont les biens que lorsque tu possèdes, les biens que lorsqu'ils sont en ta possession, tu dois donner la zakat. Tajibu az-zakatu fi an-naqdayn. La zakat est obligatoire sur l'or et l'argent. An-naqdayn ay al-dhahab wal-fiddah, wal-zuru', de ce que tu moissonnes, wal-thimar, les fruits, والمواشي, المواشي أي الغنم, والغنم منها الإبل والبقر والمعز. Et المواشي, c'est-à-dire les animaux, mais pas tous les animaux. Il y a le chameau ou la chamelle, la vache et les moutons ou les chèvres. والركاز. Et Al-Rikaz, ce sont les trésors qui ont été enterrés pendant la période anté-islamique. Les trésors que tu trouves et qui ont un signe significatif qui te permet de reconnaître et de savoir que ces trésors ont été enterrés avant l'islam, alors il y a une zakat dedans. Tu dois donner, qui connaît? Al-Khumus, tu dois donner le cinquième. Le cinquième de ce que tu as trouvé, tu dois le donner en zakat. Awalan, zakatu naqdayni, al-dhahab wal-fiddah. Premièrement, la zakat sur l'or et l'argent. النصاب ومقدار الواجب. نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم وفيهما ربع العشر. عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. حديث صحيح رواه أبو داود. Donc quel est le seuil obligatoire, ou le seuil que tu atteins concernant l'or et l'argent? Quel est le seuil minimum qui, lorsqu'il est atteint, t'oblige à sortir la zakat? Nisabu dhahabi 20 dinara. Le seuil minimum pour l'or est de 20 dinars. Des dinars islamiques, musulmans. Qu'est-ce qu'un nisab? Qu'est-ce qu'un dinar islamique? Waznuhu mithqal. وزنه مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. Et al-mithqal en arabe, c'est l'équivalent de 4 grammes et un quart. 4 grammes plus un quart de grammes. Ça, c'est al-mithqal, qui en arabe est l'équivalent du dinar islamique. D'accord? Et le professeur, et le nisab, le seuil minimum de l'or, c'est 20 dinars. Autrement dit, c'est 20 mithqal. Et al-mithqal, c'est 4 grammes et un quart. Donc pour connaître Al-Nissab, tu fais 20 multiplié par 4, c'est combien le quart d'un gramme? 0,25. Donc tu fais 4,25 multiplié par 20. Ça fait combien? Ça fait 85 grammes. Et vous entendez les savants, lorsqu'ils parlent de Nissab al-Dhahab, du seuil minimum pour l'or, ils disent que c'est 85 grammes. Vous savez maintenant pourquoi ils disent 85 grammes. 85 grammes, c'est-à-dire 20 dinars islamiques, et un dinar islamique équivaut à 4,25 grammes, que tu multiplies par 20, ce qui te donne 85 grammes. وَنِصَابُ الْفِضَّةِ 100 dirham. Et le seuil pour l'argent, c'est-à-dire le métal, c'est de 200 dirhams islamiques. Et l'équivalent du dirham islamique avec al-mathaqil, c'est 10 dirhams islamiques équivalent à 7 mithqal, ou à 7 mathaqil. 7 mathaqil. Donc le seuil, c'est de 200 dirhams islamiques, sachant que 10 dirhams équivalent à 7 mathaqil. Ça fait combien tout ça? Il faut que quelqu'un prenne une calculatrice et compte. 40. Non? 140. Si, 140 mithqal à la fois. 140 mithqal. On a dit que 1 dirham, ça fait combien de mithqal? 1 dirham, ça fait Un dirham. On a dit que 10 dirhams équivalent à 7 mithqal. D'accord? 10 dirhams équivalent à 7 mithqal. Et le seuil, on a dit que c'est 200 dirhams. Donc, 200 dirhams équivalent à combien de mithqal? 140 mithqal. D'accord? Donc, 200 dirhams, qui sont le seuil pour l'argent, équivalent à 140 mithqal. Et on a dit le mithqal, c'est 4,25 grammes. Donc, il faut faire 140 mithqal multiplié par 4,25 pour te donner en grammes le nissab de l'argent, qui est 460. Faut calculer. Ça fait combien? 140 fois 4,25. Personne n'est calculatrice? 595. Donc le seuil minimum pour l'argent, c'est de 595. 595 grammes. Lorsque tu as en ta possession 595 grammes d'argent, c'est-à-dire le métal, ou l'équivalent en argent, c'est-à-dire en monnaie, et que cet argent, ou ce minimum, pour l'argent qui est de 595 grammes pour l'argent et 85 grammes pour l'or, et que tu aies en ta possession pendant un an, en comptant les jours, les mois lunaires bien sûr, alors la zakat est du quart du dixième. Le quart du dixième. Et le quart du dixième, c'est? C'est combien? 2,5%. Mais 2,5%, ça fait compliqué un petit peu pour calculer. Et les savants, même autres que les savants, 2,5%, ça revient à diviser par 40 la somme que tu as. Lorsque tu as 40 000 euros, la zakat sera de 1000 euros. Lorsque tu as 10 000 euros, la zakat sera de combien? 250 euros. Et ce que tu as en ta possession, qui a dépassé le seuil minimum et que tu as eu en ta possession pendant un an, alors tu divises ce que tu as par 40 et tu auras le montant de la zakat que tu devras donner. La preuve, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu as 200 dirhams et que tu les as eu en ta possession pendant un an, fafiha khamsatu darahim, alors tu dois donner en zakat 5 dirhams. Cette somme-là pendant un an, faut pas qu'elle ait été touchée. Il faut que la somme que tu as eue soit au-dessus du nisab, ou égale ou supérieure. Si par exemple toi tu as en or, tu as eu 100 grammes pendant un an, et que pendant un an des fois tu as eu 150, que tu as eu 100, puis tu es monté à 200, puis tu es redescendu à 90. À la kulihal, quel que soit le mouvement qu'il y a eu au niveau yani, le mouvement est apparu au-dessus du nisab ou égal, il n'y a pas d'influence. Mais lorsque la somme que tu as eue ou l'or que tu as eu est descendue en dessous de 85 grammes, alors le jour où tu en auras 85, c'est là où tu devras recomptabiliser un an. Parce que c'est une condition pour sortir la zakat de l'or et de l'argent. Il faut avoir au-dessus du seuil et que ce soit resté égal ou supérieur au seuil pendant un an. Si tu ne l'as pas gardé pendant un an et que l'or ou l'argent que tu as eu est descendu en dessous, alors tu recomptes le jour où c'est repassé au-dessus ou égal. Donc le professeur sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit: lorsque tu as 200 dirhams islamiques et que tu les as eu en ta possession pendant un an, fafiha khamsatu darahim, tu dois leur donner en zakat 5 dirhams. Si vous faites 200 divisé par 40, ça fait combien? 200 divisé par 40, 5. D'où le prophète sallam a dit de donner 5 dirhams. Et tu n'as rien à donner, c'est-à-dire lorsque tu as de l'or, et de l'or, tu n'as pas de zakat à donner que lorsque tu auras en ta possession l'or équivalent à 20 dinars islamiques. À 20 dinars islamiques. Et lorsque tu as 20 dinars islamiques et que tu les as eu en ta possession pendant un an, alors tu dois leur donner la moitié d'un dinar. Si tu en as 20, tu dois donner la moitié d'un dinar. Ce qui correspond à, en pourcentage, la moitié d'un dinar, ça correspond à combien par rapport à 20? 2,5. 2,5%. Car beaucoup se demandent comment est-ce que les savants ont déduit les 2,5%. Parce que c'est un taux bien précis. 2,5%, c'est pas 3, c'est pas 2, c'est 2,5. Et beaucoup se demandent comment est-ce que les savants ont déduit des hadiths et de la science du professeur Sam, c'est 2,5%. Comment ils ont-ils déduit les 85 grammes? Comment ont-ils déduit les 595 grammes pour l'argent? Vous avez maintenant la réponse. Non. Et le hadith est rapporté, et authentique, est rapporté par Abu Dawood dans son Sahih. Et lorsque la personne a à 80 grammes d'or et à 500 grammes d'argent, est-ce qu'il doit payer la zakat ou pas? Non. Est-ce qu'il a le droit de rassembler les deux? Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yujma' bayna muftariq wa la yufraq bayna mujtami'. On ne doit pas rassembler deux choses différentes ni séparer deux choses identiques. Tu ne dois pas rassembler deux choses différentes ni séparer deux choses identiques. Ça c'est une règle dans le bab al-zakat. Dans le bab al-zakat, c'est une règle, c'est que tu ne dois pas rassembler deux choses différentes. C'est-à-dire, si tu n'as pas le nissab ou le seuil minimum d'or, tu ne dois pas rajouter ce que tu as en argent pour atteindre le nissab. Car l'or, c'est l'or et l'argent, c'est l'argent. Wallahu a'lam, wa naktafi bihadha al-qadr, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.